Je sais que c'est horrible. Mais tu te demandes jamais comment serait ta vie si t'étais séparé de ta femme par un truc vraiment grave, genre son décès? Je dois reconnaître que j'y ai longuement réfléchi. Mais sans douleur, hein. Qu'elle parte en douceur. Dans un souffle. Ouais, il faut pas qu'elle souffre, enfin, c'est la mère de tes enfants après tout. Et ta nouvelle femme serait géniale. J'ai hâte de rencontrer ma deuxième femme. Ce serait bien qu'elle m'aime plus que celle-ci. C'est la quatrième fois que tu vas au petit coin aujourd'hui. Pourquoi d'instinct tu essaies toujours de t'échapper? Arrête de me traiter comme un gosse! Arrête! Et salut collègue! Papa! Vous parlez sur intranet? J'ai des responsabilités. Je peux pas rester à glander dans mon appart à m'envoyer des joints et des films porno et à descendre m'acheter un hamburger à 3h du mat. Ça a jamais été dans cet ordre que j'organise mes soirées. Pourquoi on met 38 et pas 40? Parce que ta mère veut que ce soit 38. Mais évitons le sujet, ok? Pourquoi c'est autant de travail, notre vie? Votre gosse est un chien de meute. S'il insulte ma fille encore une fois, ça va barder. Vous me touchez le téton? C'était au niveau de l'épaule. J'ai toujours eu les tétons hauts. On aura 90 ans en un clin d'œil. Il faut prendre la décision de tout changer. Laisse pas la quarantaine faire de toi une quadra. Tes seins, c'est des vrais? Ouais, normal, je suis jeune. Pourquoi on s'engueule? J'en sais rien. Parfois, t'es tellement en rogne que j'ai l'impression que tu veux me tuer. Mais j'ai envie de te tuer. Comment tu ferais? Je mettrais du poison dans tes petits gâteaux. Les derniers mois de ta vie seraient super pour moi. Mais je serais en train de te tuer. Salut, fiston. Tu sais pas, j'ai un space cookie. Ça me fait rien à moi. Il y a des rongeurs plein la piole. Tiens, je viens d'en voir un. La petite cuillère flottante. Comment fait-il?